J'ai beaucoup aimé l'éloquence de M. Séguin. Il parle vraiment très bien. Et puis, je trouve ça toujours très intéressant d'entendre l'artiste directement parler de ses œuvres et de parler de sa démarche. Je trouve que ça apporte un gros plus à l'interprétation des œuvres, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle initiative du groupe de collectionneurs en art visuel. Puis, c'est bien intéressant pour le public également là, d'avoir ces sorties-là assez régulièrement. Voilà. Ça a été vraiment une belle expérience d'avoir l'artiste, comme Jeanne disait, de parler directement de ses œuvres. Puis aussi, c'est un artiste qui est quand même très éloquent, qui est capable de parler, de donner beaucoup de substance à propos de ses œuvres, puis qui est très, très lucide par rapport au marché de l'œuvre, de l'art. Puis je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup au Québec, une lucidité sur qu'est-ce qui se passe au Québec, comment est-ce que le marché fonctionne. Donc, il n'y a pas de gêne de parler comment est-ce que ça marche, de parler des galeries, de parler d'argent aussi. Puis c'est quelque chose qu'on essaie de refouler souvent, mais qui ne devrait pas, parce que ça amène les gens à voir vraiment une réalité qui est intéressante et qu'on doit savoir. Moi, j'étais très contente de voir Marc Séguin, parce que je trouve que c'est un artiste contemporain qui est articulé, qui choque, mais qui a un propos dont il est capable de nous parler. Et en même temps, il a su partager avec des gens, tantôt néophytes, tantôt connaisseurs, son cheminement et son intérêt, sa passion. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est lorsqu'on regarde les œuvres, on se fait une certaine idée, puis on peut, voir d'une certaine façon. Mais lorsque l'auteur, l'artiste, nous l'explique ses œuvres, nous met en situation dans un contexte de création qui nous permet d'apprivoiser, puis de mieux comprendre, de mieux faire notre cheminement, puis ça complète vraiment notre compréhension des œuvres. Je trouve ça extraordinaire, puis c'est tellement intéressant. Puis il s'exprime tellement bien, là. Moi, j'ai trouvé que c'était une soirée fantastique. Puis, bon, c'est formidable, c'est une très belle soirée. Parmi les soirées que des collectionneurs que j'ai suivis, c'est une des très bonnes. Il est très dynamique, il est content d'être ici. C'est ça que j'ai à dire. J'apprécie beaucoup son art, ça, c'est ce qui fait sa présence, d'avoir pensé de venir nous voir. Il aurait pu s'en passer, là. C'est ça. Merci.